Alors bonjour à toi, j'espère que tu vas super bien, c'est ton boy Fabien le 5 comme d'hab. De retour pour une nouvelle vidéo, toi-même tu sais ce qu'il te reste à faire. Quand une vidéo commence et que c'est Fabien le 5, tout ce que tu as à faire c'est juste de prendre ton petit doigt, appuyer sur le bouton s'abonner, appuyer sur le bouton like. Et man, assieds-toi, j'ai de bonnes choses pour toi donc. Avant de commencer, laisse un gros pouce bleu, laisse un commentaire. Aujourd'hui, on va parler de Affidavit of Support. Tu connais? Bon, mais je sais que le nom que dit comme ça fait bizarre, c'est gros. Non, t'en fais pas, je t'explique le bail. L'affidavit of support, c'est ce document que tu apportes quand tu es un couple, quand les gens sont mariés et qu'ils vont à l'interview. In order to have le visa, ils doivent avoir l'affidavit of support. En gros, c'est un document qui prouve qu'il y a quelqu'un aux États-Unis qui a assez d'argent, bien qu'il y a un income favorable, qui se propose de pouvoir vous accueillir pendant le temps que vous allez aux États-Unis. Donc, dans cette vidéo, tout ce que je me propose de faire, c'est de te dire c'est quoi l'affidavit of support, c'est combien faut-il comme revenu pour être un sponsor, et en même temps, quels sont les droits, bien ce à quoi s'attendre avec l'affidavit of support. Donc avant de commencer, comme d'habitude, tu sais ce qu'il faut faire, man. Reste tranquille, reste coaché. Pendant que tu as mangé, j'ai de la bonne pour toi. Alors, Fabien le 5, je suis in dans 3, 2, 1, bye. Alors, comme je t'expliquais, en fait, l'affidavit of support, c'est au fait ce document qu'on appelle, que tu reçois de ton sponsor. C'est au fait ce document que tu reçois de ton sponsor qui dit au fait que oui, il se porte garant pour pouvoir te souvenir à tes besoins quand tu arrives aux États-Unis, à toi et à ta famille. Donc ça, ça concerne pour la plupart du temps les personnes mariées, les couples. Donc cette vidéo s'adresse aux couples et c'est les couples qui sont visés. Donc le affidavit of support est un document que vous devez présenter à l'ambassade pour dire que telle personne X a accepté de pouvoir nous accueillir chez lui pendant le temps que nous puissions nous installer. Et bam, pour être accuré dans ce que je vais te dire, j'ai fait des recherches sur le net, j'ai des informations pour toi. Donc j'aurai besoin de mon téléphone pour pouvoir te donner les bonnes informations parce que, bam, on commence à vieillir, il ne faut pas dire de n'importe quoi. Donc autant dire de bonnes informations accurées plutôt que de tituber, d'accord? Et la question à laquelle je m'étais intéressé ou bien que les gens m'ont beaucoup posé comme question, c'est combien est-ce que on a besoin pour être sponsor? De combien a-t-on besoin afin qu'une personne, un individu, puisse être notre sponsor? Alors, j'ai fait mes petites recherches et il s'avère que vous devez remplir certaines conditions de revenus, que vous soyez parrain, parrain conjoint ou parrain de substitution. Vous devez démontrer que le revenu de votre ménage est égal ou supérieur à 125% du seuil de pauvreté des États-Unis pour la taille de votre ménage. La taille de votre ménage comprend vous-même, les personnes à votre charge, tous parents vivant avec vous et les immigrants que vous parrainez. Que si le parrain est en service actif dans les forces armées des États-Unis et que l'immigrant que vous parrainez est votre conjoint ou votre enfant, il suffit que votre revenu soit égal à 100% du seuil de pauvreté des États-Unis pour la taille de votre ménage. En gros, par rapport au ménage, c'est-à-dire que ça dépend de la taille de votre famille. Donc, vous devez, si vous êtes un citoyen normal, bien si vous venez d'arriver aux États-Unis et que vous n'êtes pas dans l'armée, vous avez juste besoin de faire 125% du taux de du seuil de pauvreté, au fait. C'est un peu compliqué à expliquer. Puis c'est un peu stratégique, technique. Je ne sais même pas comment on pouvait expliquer. Mais quand tu es de l'armée, c'est plus facile puisqu'on demande seulement 100%, tu vois. Donc, à la question exacte que les gens veulent savoir, c'est combien exactement. Je ne connais pas, du moins, ils n'ont pas donné un seuil exact. Mais tout dépend de combien grande est votre famille. Si vous avez une famille de peut-être 3 personnes, vous, votre enfant et votre femme, je pense que votre sponsor peut-être aura juste besoin de combien, disons combien, comme si la personne fait, disons 60 000 ou 70 000 dollars l'année, je pense que ça peut se faire, tu vois. Je prends juste un nombre au hasard parce que je ne suis pas très sûr, parce que eux-mêmes dans leur explication, ça vient du département d'État américain, ils n'ont pas été très explicites, mais ils disent en gros que votre revenu doit être supérieur à 125% du seuil de pauvreté des États-Unis. Et si vous êtes dans l'armée, votre revenu doit être
égal à 100% du seuil de pauvreté des États-Unis, chose qui peut facilement être atteinte parce que dans l'armée, avec le BH et également avec certains petits bénéfices, ça peut facilement le faire, tu vois. Donc, ça, c'était un truc dont je ne parlais pas auparavant. Je n'ai jamais vu personne en parler d'ailleurs parce que c'est une question que les personnes qui vont à l'interview, qui cherchent un sponsor, cherchent à savoir. Et je sais combien de personnes ont eu de gros ennuis avec leur sponsor à cause du affidavit au support parce qu'on demande des informations sur leurs revenus annuels et beaucoup de gens ne sont pas OK de donner leurs informations sur combien ils gagnent au cours d'une année. Malheureusement, quand vous vous portez garant de pouvoir être le sponsor de quelqu'un, vous n'avez pas le choix, vous devez lui donner ces informations parce que l'immigration doit se rendre compte que vous gagnez assez d'argent. Ils ont besoin d'informations personnelles pour avoir accès à vos revenus, pour savoir combien est-ce que vous gagnez et que ce que vous gagnez permettra de pouvoir subvenir aux besoins de la personne ou bien des personnes que vous êtes sur le point de recevoir. Donc, c'est très important et j'espère que je suis assez clair dans mes explications pour que ça puisse aider, tu vois, le plus de personnes nécessaires. Et également, l'une des questions qui vient avec la fille d'Avep Support et bien généralement quand on est tuteur de quelqu'un aux États-Unis, c'est de savoir quelle est votre part de responsabilité dans ce que l'autre fait. Parce qu'on est d'accord que quand vous recevez quelqu'un aux États-Unis, c'est que vous vous portez garant. Vous êtes devenu son tuteur, vous êtes devenu son parent aux États-Unis parce que vous êtes la personne qui l'accueille. La personne vient aux États-Unis ne sachant rien du système américain, c'est vous qui l'accueillez, c'est vous qui lui montrez tout le chemin à suivre. Et en attendant qu'il puisse être légalement assis, légalement posé, tout ce qu'il aura à faire passe par vous. C'est-à-dire que vous co-signez la plupart des choses qu'il va faire. Si vous allez à la banque pour pouvoir prendre, ouvrir un compte bancaire, c'est vos informations qui vont aller. Peut-être la green card, c'est vos informations qui vont aller. Même si son ID pour le driver license, c'est vos informations qui iront comme référence. Donc, dans beaucoup de choses, ce sont vos informations qui vont. Donc, je me suis un peu intéressé à la question de savoir quelle est la responsabilité du tuteur ou bien du sponsor vis-à-vis des personnes qu'il reçoit chez lui. Tu vois. Et j'ai trouvé un truc assez intéressant que je veux partager avec vous. Il s'agit des responsabilités. On dit clairement, les responsabilités en tant que parrain, lorsque vous signez l'affidavit of support, vous acceptez la responsabilité légale de soutenir financièrement les immigrants. Généralement, jusqu'à ce qu'ils deviennent citoyens américains. Bon, petite pause. Je pense que ce n'est pas obligé. Parce qu'il faut 5 ans pour devenir citoyen américain. Tu vois, il faut 5 ans pour devenir citoyen américain. Et on sait que la plupart des cas, maximum 2, 3, 6, maximum 1 an, maximum, tout le monde est assez posé pour pouvoir chercher un job, pouvoir chercher un appartement et libérer la chambre du tuteur parce que ce n'est pas des cas sociaux, tu vois. Le gars aussi, il a sa famille, il a des obligations à remplir. Je pense juste que on n'ira pas jusqu'à ce que la personne puisse prendre la nationalité, d'autant plus qu'il y a des gens qui ont des difficultés avec leurs parents au bout de quelques mois. Donc, moi, je dirais juste que la responsabilité vient jusqu'à ce que la personne soit chez vous. Jusqu'à ce que la personne ne quitte chez vous, je pense que la personne est assez munie pour pouvoir se débrouiller toute seule dans la vie active, tu vois. Donc, lorsque vous signez l'affidavit of support, vous acceptez de la responsabilité légale de soutenir financièrement les immigrants, généralement jusqu'à ce qu'ils deviennent citoyens américains ou qu'ils aient accumulé 40 trimestres de travail. Votre obligation en tant que parrain, prend également fin si vous ou la personne parrainée décède ou la personne parrainée cesse d'être un résident permanent légal et quitte les États-Unis. Généralement, des choses qui arrivent carrément que la personne quitte, mais que la personne décède, ça peut arriver à tout moment. Donc, votre responsabilité s'arrête si la personne que vous avez accueillie chez vous décède parce que voilà, elle est décédée. Voilà, tout ce qui concerne son cas est parti, tu vois. Disons qu'elle part avec ses problèmes, même si ce n'est pas vraiment vrai. Et il prend soin de préciser que le divorce ne met pas fin à l'obligation de parrainage. Si l'immigrant que vous avez parrainé reçoit des prestations publiques sous condition de ressources, vous êtes tenu de rembourser le coût de cette prestation à l'organisme qui les a fournies. Si vous ne remboursez pas l'argent dû, vous serez poursuivi à la justice.
tout parrain conjoint et tout membre du ménage qui a permis au parrain de combiner son revenu avec celui du parrain pour satisfaire aux exigences de revenu minimum est également légalement responsable du soutien financier de l'immigrant parrainé. Pour la suite, tu as besoin de moi, mais trouve ton chemin, en fait, tu vois. Parce que lui aussi, c'est pas à cause de toi que lui va se mettre dans des ennuis, tu vois. C'est pas à cause de toi qu'il va avoir des ennuis, parce que lui, il a ses propres problèmes à gérer. Donc, faudrait que soyez gentils quand il y a des gens qui acceptent de vous recevoir aux États-Unis, parce que ce n'est pas du tout facile. Quand vous avez la chance de rencontrer des gens qui sont prêts à pouvoir vous assister dans vos démarches pour en vous accueillant chez eux, soyez vraiment reconnaissants et faites tout pour que la personne puisse demain aussi aider quelqu'un, parce que c'est vraiment un truc qui est... ce n'est pas évident. Et voilà, si ça prend à ce que quelqu'un... pour vous aider à vous installer aux États-Unis, parce que comme je le dis toujours, le sponsor aux États-Unis, bien la personne qui vous accueille aux États-Unis joue un rôle très essentiel dans votre évolution aux États-Unis. Je l'ai dit et je le répète, c'est très important. Donc, plus vous avez une bonne relation avec la personne, plus c'est plus facile que la personne vous donne des trucs à faire, vous donne des tuyaux, vous donne des conseils, vous donne des astuces pour facilement réussir aux États-Unis. Comme ça, ne vous verra pas comme un concurrent, mais comme un ami, comme une personne qui veut apprendre. Faites-vous petit, soyez humble, apprenez, grandissez, et puis bam, faites votre vie. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si tu as aimé la vidéo, laisse un gros pouce bleu, laisse un commentaire, abonne-toi à ma chaîne et n'hésite pas à partager la vidéo à tes amis.